Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais faire le tirage pour ce week-end du 3 juin. Donc là, j'ai décidé de faire autrement. Donc, étant donné que je fais, on est jeudi 2, bien sûr, donc je fais déjà le tirage pour vendredi, samedi et dimanche. Et on va voir ce que ça nous donne, hein. Je vais tirer trois cartes. Bon, bah ici, on a déjà une qui s'est retournée. Elle nous parle de liberté avec la carte des oiseaux. Donc, elle est tombée comme ça. Vendredi, déjà, l'énergie principale pour cette journée du vendredi 3 juin 2022, eh bien, on nous parle de liberté. Voyons voir pour samedi 4. J'espère que vous allez tous bien et que tout va bien pour vous. Ah ben, on en a deux. Celles-là sont tombées comme ça. On va garder le mystère. Donc, nous allons découvrir, eh bien, pour le samedi, pour le vendredi. Donc ici, on nous parle de liberté et on nous parle aussi avec la roue de fortune. Ici, la carte nous parle d'une période de changement, d'une situation qui connaît son dénouement et de chance qui vous sourit. Donc avec la carte de la liberté, vous allez peut-être retrouver votre liberté. Bon, c'est le début du week-end. Donc c'est que vous avez congé et que vous allez peut-être en profiter pour... Donc je sais aussi que c'est un long week-end, hein. Vous allez peut-être en profiter pour partir, hein? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la roue de fortune? Elle nous parle de rapidité et de changement. Elle nous parle aussi de chance, de surprise et de libération. Pour ce vendredi 3 juin, cette lame vous indique qu'une opportunité est très proche dans le temps. Et aussi qu'elle est gage de liberté et d'indépendance. Et comme par hasard, on a la carte de la liberté qui se présente à vous pour ce vendredi 3 juin. On viendra recouvrir avec le sentimental, hein, comme ça on aura pour la journée du 3, du vendredi, du samedi 4 et du dimanche 5. Allez, on va voir. Pour le samedi, on nous parle de dispersion. Vous avez peut-être fait la fiesta vendredi et vous avez un peu la tête dans le pépette, on va dire, hein, pour ne pas dire hein, une grossièreté. Donc, vous êtes dans les nuages, vous n'êtes pas bien réveillé. Alors, voyons voir. Ici, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée ici, la carte nous indique une situation difficile qui va connaître son dénouement et on nous parle d'effectuer des changements et de vous attendre à ce que les choses s'améliorent. On nous parle de triompher d'une dépendance. Bon, maintenant, 10 d'épée, c'est la fin de ce cycle où on s'est vraiment pris la tête, hein. Donc, voyons voir ce que nous dit encore le 10 d'épée pour samedi. Alors là, on a la carte de la roue de fortune qui, elle, déjà, elle vient vous indiquer qu'il y a un changement. Et c'est ici, on vient nous le répéter, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc, là, c'est quand même, vous avez une lame. On va voir pour dimanche directement, tiens. Dimanche, eh bien, vous allez avoir un appel. Un appel. Est-ce que c'est l'appel pour... reprendre le travail, un appel pour une occasion qui va se présenter, un appel pour une nouvelle rencontre. Voyons voir. Et là, on a la carte du monde. Bon, dimanche, on va les mettre comme ça je peux les voir. Liberté, vendredi, vous dites, ça y est, youpi, c'est le week-end. Je termine ma journée de travail et je suis enfin libre. Samedi, dispersion, vous êtes avec le 10 d'épée, vous êtes encore dans la confusion, hein. Les épées représentent les prises de tête, hein, des décisions à prendre, vous réfléchissez, vous passez des nuits blanches, ça vous donne des angoisses, vous n'arrêtez pas de ressasser parce que ben voilà, c'est la prise de tête. Moi, j'appelle ça les cartes de prise de tête. Donc, ici, on a quand même la carte du monde et la carte de la roue de fortune pour ce week-end. Donc, ici, samedi, on vous dit que une opportunité va s'offrir à vous.
On nous dit aussi qu'il vous est conseillé de la saisir et on nous parle de rentrée d'argent qui va venir dynamiser votre compte bancaire. Mais encore faut-il saisir l'opportunité qui va se présenter, hein. Et vous êtes, peut-être que ce n'est pas qu'une seule opportunité qui va se présenter, mais plusieurs. Quoi qu'il en soit, vous serez dans la dispersion, hein. Vous savez peut-être plus vers où aller et vers quoi aller. Quoi qu'il en soit, ici vous avez des appels avec la carte de la conque. Le monde pour le 5, dimanche 5, ici on vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Bon, la carte du monde nous parle d'accomplissement. Oh, c'est mon chien qui m'énerve. Alors, bon, ça suffit, hein? Alors, il nous parle d'accomplissement, il nous parle de succès, de récompenses, de propositions intéressantes. Bon, maintenant, les propositions peuvent être au niveau professionnel ou n'importe quel domaine dans votre vie qui, pour lesquelles. Il y a des choses qui vont bouger, hein, quoique les choses vont se présenter à vous, et ça peut être dans le professionnel, dans le financier, comme dans le sentimental. Donc, comme je vous ai dit, possibilités qui vont s'offrir à vous, des récompenses, des accomplissements, du succès, des propositions intéressantes. Maintenant, pour ceux qui cherchent du travail, hein, en tout cas, si vous cherchez du boulot, ben, les opportunités, vous avez la carte de l'appel, eh ben, on va vous proposer un contrat peut-être. Hein. Bon, maintenant, une proposition vous arrivera pour dimanche, hein. Une ou plusieurs. C'est à vous, il faut voir maintenant si vous êtes inscrit en intérim ou au truc de l'emploi. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, ça bouge. Il y a du mouvement. Et qui est en votre faveur pour ceux qui cherchent, vont avoir des propositions. Pour les autres, pour ceux qui ont déjà du travail, on nous parle que vous allez être remarqués. Donc, vos efforts vont être remarqués et il va y avoir des possibilités, enfin, en tout cas, de nombreuses possibilités qui vont commencer à s'offrir à vous. Maintenant, si vous faites un boulot d'équipe ou vous faites un boulot où vous êtes tout seul et que vous pensez que personne ne voit ce que vous faites, eh bien, ça va être remarqué justement. Et qu'à partir de ce moment-là, on va vous le faire remarquer. Et peut-être qu'au niveau de la direction, vous aurez plus de possibilités. En tout cas, si vous voulez changer de poste, une fois on vous fera remarquer qu'ils se sont rendus compte de tous les efforts que vous avez fournis et du bon travail que vous avez fourni, eh bien, peut-être que vous aurez la possibilité, si vous voulez changer de poste, eh ben, d'aller faire votre demande. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de pas mal de possibilités qui vont se présenter. Alors, que dire d'autre? Vendredi, liberté, youpi, c'est le week-end. Samedi, on est un peu confus, mais les choses bougent et elles vont s'améliorer. Dimanche, des propositions vont arriver. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez déjà avec un emploi, eh bien, possibilités et appels et propositions intéressantes. Bon, maintenant on va voir au niveau sentimental, hein, et là on va voir les énergies. Je vais les mettre comme ça. Comme ça, j'ai à l'œil, hein, pour les 3 jours du week-end. Alors, vendredi 3 juin. Alors, maintenant, on va voir samedi 4 juin 2022. Hop là! Oh là là! Et là, elle est tombée comme ça, donc je vais la mettre, hein. Et elle nous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon, ici, on a pas mal. On va la regarder. Alors, on a la carte du ressenti. C'est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ensuite, on vous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon,
Ça peut être formidable comme ça ne peut ne pas l'être. Hein. Donc, voilà quoi. Cohérence, soyez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, cette carte. Et tout se met, vous voyez, on a la carte de la fluidité. Une fois que vous êtes en accord, tête, cœur et parole, une fois que vous joignez l'action à la parole, eh bien, les énergies se mettent à circuler de façon fluide. Ensuite, on vous dit maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, d'accord, mais là, du chaos, on en a plus qu'assez. Et là, il serait un peu temps qu'on ait un peu de tranquillité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que là, moi, j'en ai un peu ras-le-bol. Je veux que les choses, elles changent, mais qu'elles changent de façon à ce qu'on nous foute la paix enfin. Alors, dimanche 5 juin. Que se passe-t-il dimanche 5 juin? Ah ben, vous voyez, elle revient. Ok. C'est qu'elle devait absolument nous laisser un message. Alors, dimanche, c'est la maîtrise. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que les choses changent. De toute façon, vous avez déjà la certitude que les choses, c'est plus à peine. Hein. Vous arrivez à une période, samedi en tout cas, on dirait que c'est le final de tout ce que vous avez pu vous angoisser déjà au mois de mai. Et là, on vous dit que vous allez rentrer avec ce week-end à la fin de cette prise de tête. Et là, on vous dit que la confusion va prendre fin et on vous donne déjà l'espoir, hein, parce que même ici, on vous dit triompher d'une dépendance, ok, mais on vous dit aussi qu'une situation difficile va connaître son dénouement, hein. Alors, vendredi, oh, regardez, vous êtes libre, les choses changent, youpi, c'est le week-end, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, week-end, déjà sous de bons auspices, hein, puisque vous vous sentez enfin tranquille et pépère, libre de faire ce que vous voulez. On vous dit que vous êtes dans le changement, vous avez envie de peut-être de partir en week-end, comme je vous ai dit, ou d'aller vous promener un peu plus loin que chez vous. Et là, on vous dit, vas-y, c'est tranquille, lance-toi, vas-y. Alors ici, vous êtes à la fin de ce cycle pour samedi. Ah ben, en tout cas, vous allez peut-être y voir un rien plus clair, votre esprit sera plus apaisé, la dispersion, la confusion que vous aviez va commencer à s'estomper et là on vous dit ayez de la gratitude, la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc dimanche, on vous dit d'être dans la maîtrise, peut-être que vous allez avoir pas mal de propositions. Donc, ne vous laissez pas emballer, essayez d'analyser la situation et optez pour celle qui vous convient le plus. Ne vous jetez pas tête baissée dans la première qui va se présenter, hein. Regardez aussi le pour et le contre, hein. Quand on cherche du travail, ben, il faut voir le salaire, il faut voir les kilomètres. Il faut voir si vous devez vous déplacer en voiture, si vous devez y aller en bus, à quelle heure vous devez vous lever. Il faut compter tout ça. Donc, ne vous jetez pas sur la première chose qui vous tombe dessus. Et analysez bien et regardez si c'est vraiment à votre avantage. Hein. Parce que des fois, on signe rapidement, on est content d'avoir trouvé du boulot, mais après, on se rend compte que c'est beaucoup trop loin, que l'essence coûte trop cher, qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de métro. Donc attention, hein, regardez le pour et le contre dans tout ce qui va vous être proposé pour ceux qui cherchent du boulot. Par contre, pour les autres, ben justement, si, comme je vous ai dit, si vous aviez l'intention de changer de poste, en tout cas ici, pour dimanche, c'est l'idée déjà pour la semaine qui commence, des énergies qui se mettent en place. Donc, pour ceux qui ont déjà du boulot, comme je vous disais, vos efforts vont être remarqués. Maintenant, si vous avez une succursale qui est pas loin de chez vous, demandez peut-être, étant donné que vous vous êtes fait remarquer dans le bon sens, peut-être que si vous demandez une mutation, elle sera acceptée, plus proche de chez vous en tout cas. Allez, on va voir. Maintenant, ça, c'est moi qui spécule, hein. C'est un exemple que je vous ai fait. Allez, on va voir samedi avec le Yagel Didier.
Et après, je prendrai l'oracle des miroirs et on verra ce que ça nous dit pour le samedi. Dites-moi, faites-moi savoir si ça vous plaît, cette façon de... cette nouvelle façon de faire les cartes ou en tout cas d'expliquer jour après jour. Je trouve que déjà on a une idée pour la journée, pour chaque journée quoi. Bon, ici on a la carte de la sagesse, hein. Donc remerciement, gratitude et agir, hein, commencer à agir avec sagesse. Alors, pour le dimanche 5 juin, j'ai cru qu'il y en avait plusieurs qui allaient tomber, mais voilà, il y a une surprise, voilà. Il y a une chose inattendue, peut-être les propositions qui vont commencer à bouger, hein. En tout cas, c'est inattendu, et ben, bon, ici, on ne peut pas dire que c'était inattendu, puisque je vous ai dit que vous alliez avoir des propositions. Peut-être ce qui sera inattendu, c'est le fait que ça arrive dimanche, hein. Ça peut déjà, vous pourriez déjà avoir des propositions pour aller travailler lundi, même si je sais que lundi, normalement, c'est un jour férié, l'Ascension, je pense, ou la Pentecôte, je ne sais plus. Désolée, corrigez-moi si je ne suis pas catholique, en fait, hein. Je suis bouddhiste, mais je crois que c'est une des deux fêtes, là. Allez. Ici, c'est le plaisir. Vous voyez, tout se met en place. Vendredi 3 juin, ben, c'est le week-end, c'est la liberté. Vous avez envie de changer vos habitudes. On vous dit de vous lancer et vous allez passer un bon moment. Samedi, ben, il y a quelque chose quand même qui vous prend la tête, mais et qui vous embrouille un peu le cerveau. Mais ça va s'estomper. Ça s'estompe peut-être au fur et à mesure que la journée avance. Hein, et vous allez être dans la gratitude. On vous dit d'agir avec sagesse samedi. Il y a un peu, voilà, il y a quelque chose qui vous a pris la tête et vous allez redescendre. Hein, je veux dire, quand on se prend la tête, on se laisse emporter par l'imagination et on rumine, on rumine. Et donc là, on vous dit que... c'est plus la peine de vous prendre la tête, vous arrivez à la fin du cycle et les choses vont s'arrêter. Donc vous allez enfin rentrer dans une autre phase qui sera plus à vous apporter du succès, du concret, des possibilités intéressantes et des récompenses. Hein. Ensuite ici, c'est vous qui maîtrisez. Hein. Donc ici on vous dit, vous êtes passé parce que là... on nous dit, hein, avec cette journée du samedi, hein, on nous dit que vous arrivez à la fin du chaos pour vous, hein, pour chacun d'entre nous, chacun à sa façon de l'avoir vécu, le chaos. Mais là, c'est une fin qui est promise, hein, pour samedi. Les choses vont s'estomper. Et maintenant, ça peut parler, peut-être que ça nous parle ici. À un groupe de personnes, un autre groupe de personnes et encore à un autre. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, tout le tirage vous parle, ben, vous prenez pas la tête pour samedi parce que le cycle se termine et vous allez rentrer dans une période qui va vous donner des satisfactions, hein, succès, récompenses, accomplissements et ben, je vais dire... des propositions intéressantes qui vont arriver. Hein. Et là, ça va être par surprise. Peut-être que vous ne vous attendiez pas que ça arrive déjà dimanche. Hein. Bon, on va quand même prendre l'oracle des miroirs. Et on va venir... Ah ben voilà. Voilà. Ici, vous pouvez enfin... ça vous apporte directement. Hein. Donc, confusion. Prise de tête, mais ici on vous dit que vous allez avoir le triomphe sur une addiction. Maintenant, si vous voulez arrêter de boire, vous voulez arrêter de fumer, vous avez le succès là-dessus. On vous dit de remercier si jamais vous avez été aidé. On vous dit d'agir à présent avec sagesse. Et enfin, vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Là, c'est le secret, hein, donc on va attendre. Hein, je vais voir pour dimanche. Qu'est-ce qui sera inattendu pour dimanche 5 juin? Ben, il y a un déplacement, hein. Ben, est-ce pour le boulot? Est-ce pour le plaisir? Comme je vous ai dit, lundi c'est férié, je pense. Je ne sais pas exactement si c'est l'Ascension.
ou la Pentecôte. J'ai pas ma tablette. Donc, allez, on va voir. Ici, un déplacement sera à prévoir. Ça va vous tomber dessus de façon inattendue. Essayez, voilà. Ici, liberté, les choses changent. On vous dit enfin de vous lancer. Vous le faites avec plaisir, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien puisqu'on a la carte du plaisir. Et on vous dit que pour vendredi, vos projets sont en belle évolution. C'est une journée tranquille. Vous videz la tête. Mais dimanche, mais samedi, là, comme je vous ai dit, ben, vous commencez encore à cogiter, vous êtes un peu confus, vous savez pas où donner de la tête, hein, puisqu'on a la carte de la dispersion, hein, vous ne savez pas où donner de la tête. Mais tranquille et pépère, parce que ça va s'arrêter, vous n'aurez plus à réfléchir, votre cerveau va se reposer, on vous dit d'être dans la gratitude si maintenant il y a quelqu'un qui vous a aidé à passer ce moment. Maintenant, à partir de samedi, commencez à agir avec sagesse et soyez tranquille parce que vous pouvez enfin vous tourner vers des projets d'avenir. Donc là, on est dans la projection. Vous pouvez enfin voir, moi j'appelle ça faire des projets d'avenir, hein, parce que quand les situations sont bloquées, eh ben, on ne voit pas l'issue, on ne voit pas la sortie de secours, on ne voit pas la possibilité qui s'offre à nous. Mais là, on va dire que samedi, ben, ça va partir. Hein. Peut-être parce que vous avez passé vendredi à lâcher prise, hein, parce que ici, c'est quand même vous vous êtes accordé un moment, en tout cas, vous allez vous accorder un moment de liberté tranquille. Vous allez oser faire des choses et ça va vous permettre d'évoluer dans le bon sens, puisque ici, vous retrouvez enfin, au bout d'une. Enfin, vous voyez, dans la journée du samedi, eh ben, même si vous aviez commencé à être un peu confus, eh ben, là, ça. Enfin, les choses vont se dissiper d'elles-mêmes. Et enfin, vous pouvez vous tourner vers un nouveau projet ou un nouvel avenir. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de voir. Ben ici, si je les lis comme ça, ben vous avez une belle évolution par rapport à un projet. Maintenant, est-ce que le projet concerne un voyage que vous avez envie de vous faire, vu que c'est un long week-end, ou est-ce que vous avez dans le projet de vous offrir un moyen de locomotion? Ça, c'est une autre chose. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit d'analyser avec sagesse. Vous allez peut-être avoir une proposition qui va vous faire plaisir, hein, puisqu'on a quand même la carte du plaisir. Une proposition qui va vous tomber dessus de façon inattendue, hein. Peut-être une invitation de dernière minute, mais qui va vous donner la possibilité de passer un bon week-end. Hein. C'est souvent quand les choses ne sont pas programmées, qui sont faites de façon spontanée comme ça, ben c'est là que vous vous amusez le plus et que vous en gardez après de bons souvenirs. Hein. Donc ici, il se pourrait que pour ce week-end, eh ben, que vous ayez une proposition qui vous tombe dessus, juste pour le week-end ou pour le travail. Maintenant, c'est à vous de voir dans quel domaine ça va tomber. Mais on vous promet une belle évolution. Bon, ici, comme je vous ai dit, il y a une proposition inattendue qui va tomber. Ça va vous faire plaisir. Vous allez entrevoir votre avenir, puisque vous avez la carte de la projection, en tout cas. Donc, c'est pouvoir se projeter dans le futur, hein. Mais voilà, vous allez peut-être devoir. Vous allez peut-être réfléchir à comment y aller. Hein. Si maintenant c'est une invitation pour le week-end, on vous dit au téléphone, hey, ma cocotte, tu fais quoi? Ben, tu sais quoi, je suis à Rome, ça te dirait de prendre l'avion et de me rejoindre à Rome. Bon, il y a des vols qui ne sont pas très chers, ben, vous pourriez vous décider. Oui, d'accord, mais est-ce que je vais y aller en avion ou est-ce que pourquoi pas en voiture ou pourquoi pas en train? Voilà, le TGV, hein, par exemple. Donc ici, il y a moyen. Vous vous projetez déjà dans ce week-end, mais il y a de façon inattendue, eh ben, peut-être le covoiturage aussi, hein. Faites attention quand même. Ne vous lancez pas trop vite quand on. Ouais, moi, ça me fait peur, hein. On ne connaît pas les gens et comme les gens sont fous en ce moment, donc faites attention si c'est le covoiturage, hein.
Donc voilà, le week-end, il s'annonce plein de rebondissements. Vendredi, liberté tranquille, pépère, vous lâchez prise. Samedi, il y a peut-être des souvenirs qui vous reviennent ou vos angoisses commencent. Vous vous ouvrez les yeux le matin et vous êtes encore dans ce genre de conflit. Mais au fur et à mesure, vous retrouvez la tranquillité, hein, et on vous dit tout compte fait, oui. Vous agissez avec sagesse, hein, vous réfléchissez, ben oui, tout compte fait, j'ai passé un sale moment, mais ça m'a permis de voir qui sont mes amis, de voir si ce travail me plaisait vraiment et si j'étais vraiment bien dedans. Donc aussi, c'est toute une chose, c'est toute une analyse là, samedi, qui va vous permettre de enfin agir avec sagesse et pouvoir enfin vous projeter vers le futur, hein. Et là, on vous dit enfin succès, récompense dimanche. Vous allez avoir des appels, vous allez avoir des propositions, des possibilités et quelque chose d'inattendu, peut-être un déplacement pour le travail, pour le sentimental, à vous de voir. Voilà, moi je crois que j'ai fait tout le tour du week-end. Faites-moi savoir si cette façon de tirer les cartes vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de partager et de liker. Et je vous dis à bientôt. Merveilleux week-end à vous tous.